Cette victoire, elle tient qu'à nous, messieurs. Ok. Solidaire, les gars. Allez, à 3, 1, 2, 3, comment vous gagnez? Il se passe, il y a une grosse frappe en plus. Et c'est là où ce match me fait énormément plaisir, c'est que je pense que ce match, il y a un moment, on le perd. Et là, eh ben, en 3 matchs, cette équipe a réussi à se remobiliser. Je vais répéter des choses que vous savez déjà pour la plupart. On a Fethi qui revient avec nous. Je vais être très honnête, je vais garder exactement ce qu'on a fait contre Vilaine et contre Rony parce qu'à mon sens, ça marche super bien. On n'a pas forcément les mêmes joueurs, mais quand vous rentrez dans un effectif pareil et qu'on fait une fin de saison comme ça, vous avez plutôt intérêt de vous adapter et de faire la même chose que les autres, ne serait-ce que pour le club, pour l'équipe et pour vous-même. Okay ? Sur un terrain comme ça, je vous l'ai déjà dit, dribbler, ça va être compliqué. Jouez simple. Notre grande force, c'est la vitesse. Alors jouez avec ça. Jouez avec ça. Zeka, n'hésite pas, les longs ballons en diagonale. Je ne dis pas de faire que ça. Mais si tu vois que c'est en 1 contre 1 sur les côtés ou devant, lance. Ok ? Gardons la dynamique de Vilaine et de Rony. Ça va être le plus important. On a cette dynamique, elle fonctionne. L'état d'esprit fonctionne, la solidarité fonctionne. On est efficace. Il y a tout, on a tout. Coupe de France, c'est maintenant. Là, ça n'a pas l'air comme ça, c'est un match de Coupe de France. On se dit, ouais, c'est la fin de l'année, la Coupe de France l'année prochaine. Non, si on perd ce match, il n'y a plus de Coupe de France, c'est terminé. L'année prochaine, bon, vous aurez pas faire la meilleure des prépas, il n'y aura plus de Coupe de France. Donc c'est maintenant qu'il faut gagner. C'est à vous de jouer. On rentre là-dedans comme des guerriers. Ok ? On sait jouer au ballon, hein. On a peur de personne. Maintenant, il faut le montrer encore une fois. Jusqu'à la fin de l'année, il faudra le montrer. Jusqu'à la fin de l'année. On l'a fait 2 fois. On peut encore le refaire. À vous de jouer. Allez, habillez-vous et on y va. Allez, messieurs, allez. Pour le match de Coupe de France, on joue Manille en Vexin, Détroit du 95. Bon, on ne connaît pas grand-chose, on sait qu'ils sont au tableau, ils sont 3e, je crois, à l'heure où on va les jouer. Et on vient d'enchaîner des grosses victoires contre des concurrents directs à la montée et sur des terrains aussi compliqués. Donc voilà, on arrive à faire des différences un petit peu sur herbe sur cette fin de saison face à des gros, donc c'est plutôt pas mal. Ayez conscience que c'est volontaire tout ça, le terrain, mais plus vous allez en parler, plus ça va rentrer dans votre tête. C'est bon. Vous avez vu le match référence que vous avez fait la semaine dernière face à Rony. Voilà, stop. Le terrain, c'est comme ça, il faut jouer ce match. Et la Coupe de France, c'est ça, c'est passer des paliers, qu'importe l'état d'esprit. Là, c'est ce que vous avez de mieux en ce moment, c'est que vous prenez plus en compte les climats, vous avez plus le choix. Il faut gagner. Celui qui a envie de râler sur son premier contrôle raté à le terrain, là, il va pouvoir le faire. Mais eux, en face, ils vont y aller au combat. Donc ce qu'il faut, c'est imposer tout de suite. On vient, on a une idée en tête, c'est se qualifier. Comment ? On s'en branle, faut gagner. Donc sur le terrain, bagarre, on n'essaye pas de jouer des choses courtes et de faire n'importe quoi, on joue des longs ballons et on râle pas si on fait. On va pas faire que ça, mais on sait qu'on va tendre vers ça. Mais maintenant, ça va être juste un état d'esprit. Et c'est quand même pas mal comme test. Vu que nous, au mois de début d'année, là, c'était moins ça, là, ça commence à aller mieux. Voilà, petit test pour vous. Ok, les gars ? Allez, c'est parti. Merci. C'est un match de Coupe de France, on sait que bon, ils ont à peu près le même niveau que nous ou en dessous. Les gars, on doit les arracher. On arrache tout le monde. On rentre dedans, sans pitié. Sans pitié, que ce soit Rony, Vilaine, eux ou je ne sais qui. On arrache tout le monde à partir de maintenant. Est-ce que tout le monde est prêt pour bosser les uns les autres? À fond, les gars, à fond. On arrache tout le monde. On change de camp. Les gars, n'oubliez pas les cartons, les gars. Pas de carton bête, là. Les gars, les mains. Les mains, à 3, les gars. Tout le monde, hein. À 3, tout le monde, hein. Allez. 1, 2, 3, comment vous Thank you.
Allez Jim, allez. Allez gars, on écoute. Déjà bien joué. C'est réalisme, c'est mérité parce que c'est Camille qui récupère énormément de ballons et qui se projette vers l'avant. Et là il récupère, il fait une bonne passe. Et Nathan, tu finis. Bien joué. Maintenant, ils sont fatigués. Et nous maintenant on doit juste continuer à jouer notre jeu. On joue très bien, on n'est pas en danger, mais on peut se mettre en danger parce que on pète pas trop la balle. Et vous avez vu, vous avez essayé de faire une sortie la dernière phase là. Une, deux, trois relais, puis Kevin, mauvais un rebond qui le surprend, il se fait perdre la balle. On savait que ça allait être compliqué parce que c'est pas les terrains qu'on aime. Mais on fait le taf. On fait le taf. Chacun se bat. Exactement comme les deux matchs avant. Et ça, il faut pas qu'on le perde, c'est très important. Même pour la deuxième mi-temps, vous savez très bien que le plus dur, quand on met un but, c'est de garder le score. Même si l'équipe, on le conçoit, à mon sens, un niveau en dessous. C'est dans la tête que ça va se jouer. La pluie, autant le soleil, c'est dur. Parce qu'il fait chaud et ça empêche de respirer, c'est compliqué. Autant la pluie, c'est un peu chiant parce que ça alourdit l'équipement. Ça glisse, la balle fuse, beaucoup de pièges. On a vu à un moment donné, vous avez essayé de jouer au ballon. Vous avez vu, il faut un fort bond, ça peut partir en contre-attaque directe. Derrière, les gars, que vous jouez comme ça, devant ou au milieu de terrain, si vous voulez. Derrière, c'est compliqué. Même si vous n'aimez pas jouer comme ça, il va falloir le faire. On gagne 1-0, n'oubliez pas, c'est nous qui gagnons 1-0. C'est pas à nous de se mettre en danger. C'est à eux de se mettre en danger. Ok? Alors assurez ça. Mais continuez comme ça, l'état d'esprit est très bon. Allez, on ressort avec la même envie, s'il vous plaît. Allez, allez! Thank you.
Là-bas, une équipe là-bas. Vous allez commencer. Vous partez, conduite de balle, slalom, ok. Une fois que vous avez passé la porte jaune là-bas, lui là-bas il part. Vous devez viser un des deux buts, ok, un des deux petits buts. Dès que vous avez tiré, vous êtes défenseur. Et lui il arrive, hop, un contre un. Dès que là-bas il a passé la porte, lui il démarre. Ok. Donc en fait, conduite de balle, un contre un, sauf pour le premier qui démarre. Un contre un frappe. Une fois que vous avez frappé, vous devenez défenseur. Ok ? Arthur, quand tu vas hein. But now it's my practice, I need all that. Yeah, I can't take no loss. Yeah, I don't even know what it costs. Hit the ground, then it go off. Yeah, hit the ground, then it go off. Yeah, I can't take no loss. Yeah, I don't even know what it costs. Yeah, I hit the ground, then it go off. Yeah, hit the ground, then it go off. Yeah, yeah, run it, run it. Oh, there's my time, I think it's my year. Yeah, yeah.
J'ai envoyé des gens. Non chef, c'était méchant. Lui il a graissé au petit pot mais tu m'as envoyé un Arthur il a graissé un pot. Comme il a graissé au grand pot. Comme il a graissé au grand pot. Comme. Désolé. Désolé, vieux père. Désolé, c'est désolé. On va à la déloyale. Oh, c'est belle. Pardon. Je crois que tu voulais avoir pardon. Excuse-toi. Ça va certainement pas être cadré, je préviens tout de suite. Ouais, c'est parti. Ouais, mais c'est parce que tu ouvres trop ta gueule depuis tout à l'heure. Il a dit pourquoi il tire sur moi. Allez, jouez, allez, balle au jaune, jouez. Oui. Oh là 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 là, bien joué. Rose, ça sort, Rose, on se dépêche. Allez, allez. Stop! On recule les buts! De quoi t'es attaquant ou défenseur? Moi je mets pas les joueurs. Je crois que je suis juste joueur. Hein. Juste joueur. En vrai, c'est ce qui compte. Hein. En vrai, avant tout. Tant que je suis sur le terrain, en sur vrai. Le carré vert. Le carré vert, c'est ça en fait. Exactement. En vrai. Tu prends du plaisir ou pas? Ouais, hein. C'est le but. Exactement. Défenseur, milieu attaquant, gardien. Tant que je touche le ballon, en vrai. Je touche la balle. C'est le plus important en vrai. Il y a des gens qui n'ont pas de jambes. Il y en a qui n'ont pas de jambes, il y en a qui n'ont pas de main. Exactement. T'en penses quoi, Taïr? Ça y est, ça y est. Moi je suis d'accord avec vous. Tant qu'il y a un joueur. T'as un truc à dire, Steven? Hein? T'as un truc à dire? Ah bah non, mais toi, défense. Je me crie, c'est les défenseurs. Trop timide, Steven! C'est quel dimanche? Dimanche quoi? Hein? C'est dimanche là? Il est pas là, lui, en fait. Il est pas là, il est pas dans la bêtise. Les examens, les examens. La vie d'étudiant, en vrai. Je suis plus étudiant. Je suis un salarié, je suis là le matin, je vais bosser. Il y a un salarié ici, je sais. Il est derrière la caméra. Il arrive. Ah, tu vois les cheveux tirés comme ça là? C'est les heures de travail. Ça, c'est la fatigue. Ça, c'est la fatigue. Le corner là. C'est ça. Il est dégarni. Dépêche-toi. Allez. Je pourrais vous faire le même discours que je vous ai fait contre Vilaine, contre Rony, contre la Coupe de France, mais je pense qu'on arrive à un point où vous êtes des grands garçons et vous savez ce que vous avez à faire. Est-ce que vous avez envie d'être ridicule ou est-ce que vous voulez continuer sur la bonne lancée que vous avez depuis 2-3 matchs? Moi, je sais ce que je veux. À vous de montrer sur le terrain ce que vous voulez. Nathan, attention à ne pas être trop bas, s'il te plaît. On a besoin de ta force, de ta puissance, de ta vitesse ici pour les faire chier. Okay. Si jamais à force de faire l'aller-retour t'es cuit, rien ne t'oblige de sortir 10 minutes, de te reposer et de repartir. On peut faire ça, sortir 10 minutes et repartir, souffler et repartir, si jamais vous êtes cramé. Mais je préfère que vous donniez à 200% pour faire les efforts pour tout le monde, comme vous faites depuis 3-4 matchs, et on voit la différence. Si vous ne le voyez pas, je ne peux rien faire pour vous. Moi, je la vois la différence. Quand chacun d'entre vous se bat les uns pour les autres, moi, je vois la différence. Ne pensez surtout pas à votre temps de jeu. Pensez à ce que vous allez apporter pendant que vous êtes sur le terrain. Ne vous dites surtout pas, ouais, je vais jouer 60, 70, 30, 40. Non, on s'en branle. On s'en branle. Si vous êtes là, c'est pour l'équipe, c'est pas pour vous-même, c'est pour l'équipe. On est là pour la même chose, le même objectif, terminer avec la victoire. Rien d'autre. Pas de nul, pas de défaite. Victoire, point barre. Allez, messieurs, c'est parti. Allez, je compte sur vous. Allez. L'objectif du match de Sartrouville, bah, déjà, c'est de gagner. Voilà, je pense que c'est important avant de faire tout type de calcul. De toute façon, on a malheureusement plus notre destin entre les mains. Il faudra gagner jusqu'à la fin de la saison et puis après espérer des faux pas des adversaires directs au-dessus, dont Rony, un des matchs en retard, et même Vilaine sur les matchs de championnat. Allez,
C'était trop bas, Chem, c'était beaucoup trop bas. T'as pas d'artan, Chris. Deuxième. Ça vient. Là, parfait. Eh, voilà que vous ouvrez vos gueules, ce qui se passe, putain. Jouez au ballon, fermez-la. Chris numéro 10. Bien joué, va Kamel. Excellent Kamel. Tu gagnes. Non Kamel, c'est quoi cette passe? Belle botte. Avancez. Encore les gars, encore, c'est pas fini. Arrêtez-vous pas, ouais. Je suis derrière toi. Zeka. Merci Herman. Les gars, je levais la tête. De toute façon, on a rien à faire. Si on avait été efficace comme les autres semaines, il y aurait égalité. Ils ont quoi? Ils ont 3 occasions, 2 buts. Sinon, on fait de la merde. Ce score, il est dur, mais il est logique.
on n'est pas, on est loin d'être ridicule, vraiment loin d'être ridicule, parce que je pense qu'on a plus le ballon qu'eux. Par contre, ils sont beaucoup plus malins. Ils jouent qu'en contre-attaque. Que tu montes, c'est une chose, mais tu peux pas monter en dilettante comme ça. Si tu montes, vas-y vraiment grand. Monte pas. Si tu montes, c'est que tu sais ce que tu vas faire. Et si tu perds la balle, il y a personne derrière, Jib. Il y a personne. Point barre, point barre, point barre, point barre. Il y a personne derrière. T'as même pas d'argumentation à me donner, Jib. Si t'as quelqu'un derrière, je veux bien. T'as personne. T'as personne et tu vas en dilettante au milieu de terrain. La moitié de tes joueurs sont presque devant la surface. T'as trois mecs de Sartrouville autour de toi. On n'est pas assez malin. Je suis désolé, on n'est pas assez malin. Le premier objectif, c'est de gagner ce match. Et pour ça, on va ressortir tous ensemble de ce vestiaire et défoncer cette deuxième mi-temps. Allez, messieurs, c'est parti. Allez, 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 allez. On arrive à la mi-temps du match de Sartrouville, il y a 2-1. C'est un score un petit peu sévère, mais en fait, tactiquement, il y a eu un petit écart de niveau à ce moment-là, sur cette première mi-temps. Et deux buts qui viennent aussi sur des pertes de balles de nos joueurs. Donc, ils étaient frustrés. On réussit à réduire la marque et à passer à 2-1. Donc, voilà, il n'y a plus rien, on n'a pas besoin de se prendre la tête. Juste, il faut jouer, en fait, maintenant. Voilà, on l'a fait, on y arrive. Ça n'a pas fonctionné correctement, mais il faut continuer. Continuer, apporter des solutions, fournir d'autres efforts et rester sur le foot, essentiellement le foot, parce que bah, c'est ce dont on a besoin pour pouvoir gravir des efforts. Après, depuis, il parle tranquille. Ouais, encore. Bien, faut y aller, Pose. Ta passe, Kev, c'est pas normal, appuie ta passe. Allez, Nathan, allez. Il est en train de tomber là. Merci, frérot, tu fais des. Super ça, Chems, vas-y. Allez dehors. Hein. Léon, Tom. Bien joué, Kevin. Lève la tête. Bien joué, ça. Regarde Taïr. Provoque. Dommage, continue. T'arrêtes pas. Ça sort pas. Nat, allez, mon grand. Allez. Il n'y a rien à jouer, les gars, arrêtez-vous pas, les gars. Ça vient, Shams. Super. Merci à lui, c'est un team. Ouais. Super, les gars. Allez, Ça.
Les mecs, Herman, incroyable. Incroyable. Putain, je suis fier du match que vous avez fait, les gars, parce que c'est pas mérité. C'est un match qu'on doit gagner. On a fait les efforts, on a tout fait. L'intensité était là, l'impact était là, l'envie était là. J'ai vu encore une fois une vraie équipe. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Quoi qu'il arrive, je suis fier de ce que vous avez fait aujourd'hui, je suis fier de votre réaction. Ils ont eu deux pénaltys. On a un énorme gardien aujourd'hui, on peut le remercier pour ça. Bravo à lui. Bravo à lui. Et chacun d'entre vous, vous avez fait tous les efforts qu'il fallait faire. Malheureusement, il y a des jours, des dimanches, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut se donner à 200%, et bien la finalité, elle n'est pas avec nous. On montera peut-être pas en D2 cette année, mais ça va nous servir de leçon, messieurs. On peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Mais aujourd'hui, vous pouvez être fiers de vous, parce que moi, en tout cas, je suis fier de mon équipe aujourd'hui, parce que vous avez tout donné. Vous avez tout donné, les gars. Et il y a des fois, ça ne fonctionne pas, c'est comme ça, malheureusement. Et dans la vie, il y a des hauts, des bas, là, c'est un bas. Il faut relever la tête pour aller encore plus haut, plus loin. Il y a encore des grosses échéances. La R1, c'est un gros match, hein. Ça va être bien joué, ça. C'est beau, les gars. Surtout, baissez pas la tête. Surtout, baissez pas la tête. Ce match nul, le score final de 2, voilà, faut noter aussi qu'Herman arrête deux pénaltys, nous maintient en vie, et puis nous on n'arrive pas à être tranchant dans le dernier quart d'heure alors qu'on poussait et qu'on avait des occasions à répétition. Ça clôture une année parce que Ronny gagne de l'autre côté, donc on savait que même si on gagnait, il fallait que Ronny fasse un faux pas. Si on gagnait, ça nous maintenait en veille jusqu'au dernier match en espérant un faux pas. Voilà. Je pense que la vérité, le secret, il n'est pas vraiment sur ces derniers matchs. Ces derniers matchs, c'était un petit peu une bouffée d'air et on se raccrochait à la corde. Mais on a perdu notre saison il y a déjà deux mois et demi de ça, sur des confrontations directes, sur des matchs qu'on a enchaînés en manquant d'énergie, en manquant de vitalité, de hargne, tous ensemble.
Donc je pense qu'on a tous notre part de responsabilité dans ça. On a essayé de trouver des éléments. Faut pas oublier qu'on est jeune aussi. C'est frustrant parce que je trouve que techniquement, on avait quand même des garçons qui avaient le potentiel de monter un cran. Mais le foot, ça se résume pas à des individualités. Et c'est aussi tout un collectif qui doit faire face quand on a des matchs plus compliqués, des matchs où on parle moins football, où on parle moins technique, mais où on parle un peu plus tactique et expérience. Il faudra que ça nous serve aussi pour préparer le match de la semaine prochaine qui est Cergy, donc la Coupe de France, où on reçoit une R1 haut de tableau, une grosse R1, une belle équipe. Ça va être un beau défi pour les joueurs, ça va être un beau défi pour nous, le staff, pour tout le club. C'est le club le plus haut qu'on va affronter en Coupe de France depuis la création du club. Donc il faut, voilà, il faut tout donner, ne rien lâcher. Et puis voilà, un match c'est 90 minutes, un match de coupe, il faut juste réussir à gagner.